Bonjour, Bordeaux 20 Attitude, c'est ce grand concours lancé par le syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieurs auprès des étudiants. Objectif, faire de l'appellation AOC la plus grande de France, une appellation de plus en plus tendance. Et en ce moment, plus de 200 étudiants sont à l'œuvre pour imaginer leur vision de l'appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur dans 4 catégories. Marketing communication, communication digitale, design, packaging et sommellerie. Une centaine de dossiers seront décortiqués, un seul sera sélectionné. Carole Lecourt, vous êtes la troisième génération à travailler ici pour ce vignoble familial, le Château Lecourt-Cayet à Génissac. Ce concours des Bordeaux et Bordeaux supérieurs avec les étudiants, évidemment, vous ne pouvez que valider. Oui, effectivement, de par la proximité de l'âge, je me sens très proche de ces étudiants et je trouve ce concours très intéressant et très valorisant pour notre appellation des Bordeaux, Bordeaux supérieurs. Alors vous, pour le coup, vous avez cassé les codes puisque vous avez imaginé un Bordeaux qui s'appelle Rosé Princesse. Et oui, j'ai cassé les codes, effectivement, et les traditions en créant ce Bordeaux rosé. J'ai déposé la marque de cette bouteille. J'ai voulu un rosé léger, clair, avec des arômes qui nous rappellent les bonbons acidulés de notre enfance. Ce Bordeaux rosé qui est assez épuré et dans les tendances, j'espère le vendre à l'international, pourquoi pas. Je l'ai voulu chic, branché et cool, tout simplement. Et maintenant, à vous de jouer, à vous de suivre l'évolution de ce grand concours Bordeaux. Bordeaux 20 Attitude sur les réseaux sociaux et sur la page YouTube de Planète Bordeaux. Et surtout, à vous de désigner le projet étudiant qui vous semble le plus pertinent. Verdict le 14 juin prochain à l'occasion de l'événement Bordeaux Faites le 20.